c'est au 8, je fais un... il y avait le vent un petit peu contre de la gauche et on va dire précisément j'étais à 158 mètres du drapeau et je fais un super coup de fer 6 plein dans l'axe du drapeau et voilà, la balle on la voit arriver vers le trou et on espère qu'elle fasse encore les petits centimètres qui suffisent pour qu'elle aille dedans et puis voilà, c'était le cas donc c'était... Ouais, c'est génial, c'est mon troisième 3 en 1 sur le tour, c'est à la fois... Peu et beaucoup peut-être, je sais pas, mais c'est toujours aussi, voilà, aussi satisfaisant, enfin aussi plaisant de pouvoir faire un 3 en 1 en compétition. Alors bon, il y a le trou en un, mais dernière. Ouais, c'est vrai que la semaine dernière je suis resté un petit peu sur ma faim, c'est évident. Mais ouais, là, l'ensemble de mon jeu est vraiment très bon. En plus, même s'il n'y avait pas autant de vent qu'on pensait ce matin, il y avait quand même un peu de vent sur la fin, hier aussi, et voilà, je joue très solide dans le vent. J'aime bien aussi jouer dans le vent, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que je me sens bien. Et puis voilà, même si le putting n'a pas été oui, peut-être aussi, enfin, aussi bon qu'hier en termes de performance, j'ai peut-être pas mis autant, mais ça a été très bien putté, c'est souvent passé très près. Donc on va dire que le 3 en 1 a compensé peut-être ces petits putts qui sont passés tout près. Ouais. Et le